C'est incroyable que tu aies trouvé Doc et obtenu des Fluxor. Avec ça, on va pouvoir trouver Sbaltazar. Allons-y. Ah, les égouts. Ah, mais c'est quand même chouette, ça. Regarde comment c'est stylé. On dirait que c'est le chat qui glisse dans, sur l'eau. Jésus chat. La musique est giga chouette aussi. Oh. Ok. Voilà, giga bubon là. C'est pas des petits bubons de pacotille. Attention. Waouh. Allez. L'autre gros. Totalement 10 sur 10. On arrive quand Je crains le pire parce que là, je me demande si on va pas se retrouver un truc à la Resident Evil avec genre un Nemesis, avec des Octozerk, tu vois. J'ai confiance. Bubonesis. C'est un groupe de musique, non? Cette vieille machinerie complètement cassée maintenant, je crois qu'on peut l'ouvrir manuellement. Oh. Bah, je vais l'ouvrir avec mes pattes! Vu que je fais tout le boulot de tout le monde!
En ingrat. Ok. Yeah ! Saute sous la porte. Ça va, on a le temps, hein. C'est ce moment-là où ça craint. Et je peux pas courir pour l'instant. Oh là là, mais... Ah non mais je vais croiser Nurgle à coup sûr. Oh. Non. Ok. Voilà. Vous m'attrapez pas. Tomber là. Est-ce que en faisant ça. Ah ah. Miaou. Oh, mais je l'ai... J'ai fait une DC Sparta avec le Zerk. Il y avait un truc. Bon appétit. Hein? Les éclateurs de points blancs compulsifs. Ça vous trigger un peu? Eh ouais. Ça vous trigger? Oh, oh, je rigole, je rigole, je rigole! DC Sparta! Vraiment un monstre. Allez, accroche-moi. Bon bah je vais devoir y aller. Ouais, fille ici, ici hein. Oh, oh, oh. Ah mais oui, il y a carrément quelque chose. Tellement satisfaisant. Monstre. Ah, la mémoire qui est revenue. J'avais eu le petit... Ah, ah c'est cool, je me rappelle maintenant. On y mangeait de la pizza. On se faisait entraîner par un énorme rat tout moche, mais qui sentait le musc. La ville était alimentée par une énorme machinerie qui creusait profondément dans la terre. Comme tout le reste, l'eau était rationnée afin que tout le monde en dispose. Quand même lors des périodes de sécheresse.
Le scientifique m'avait montré un plan des réservoirs. Ils étaient énormes et auraient pu contenir un bâtiment tout entier. 44, on revient toujours à la même chose. Hein. Ah, splish splosh, Twitter, dégueulito, pas Twitter. Ah, on était là. Ok. Ah. Ça me rappelle tellement Prince of Persia. Sand of Time. Que j'ai vraiment adoré. Hein. Il y avait gros gros potentiel hein, avec Prince of Persia, la version en cel shading. Il y avait gros gros potentiel. Hein. Oh, on arrive dans la base de la reine mère. On entend ronfler. On les entend ronfler. De là... Elle est là. Si on va tenter un truc. On va tenter un truc. On va aller laver le chat. Oh, il fera ça avec sa langue. Hein. Pose patate! Je suis perdu. Je suis pas perdu. Prends ton ventre, c'est quoi? Tu prends ton temps! Venez. Un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf, dix. Allez! J'ai glitché le jeu! J'ai glitché le jeu! Déjà vieux! Allez, je vous laisse un peu mon petit poil là. Vas-y. Allez, venez sur moi, allez. Allez. Ça rappelle votre petit jeu, petite bestiole. Suivant. Et comment il me colle comme ça? Arrêtez, c'est obscène! On se connaît à peine, sans deck. Genre, je peux le faire un peu. Bon, très bien. Ok, très bien. Bon, là, c'est dégueu, mais comme il faut, mais propre, mais...
Parfait. On a validé la technique quand même à 200%. Pourquoi je fuis, moi? Pourquoi je fuis? Pourquoi je fuis? J'ai un turbo laser. Ok. Oui. Waouh. Qu'est-ce que... Le secret, c'est de les amener dans un couloir. Qu'est-ce que c'est? J'ai envie d'être un Space Marine. Jeu agressif de ma part, hein. Spécial ambiance. Bienvenue sur la chaîne. C'est comme ça tout ce temps-là. C'est comme ça le lundi, le mercredi, le jeudi, le vendredi de 19h à 2h du matin. Bienvenue à toi. N'hésite pas, pose-toi, hydrate-toi et n'aie pas trop peur. Ok, ça va trembler. Wow, wow, wow. Wow! Ok. N'empêche, depuis que je suis plus agressif... Depuis que je suis plus agressif, je gère mieux. C'est un mélange entre... être sale et violent. Raté. C'est incroyable, franchement. Je trouve le jeu incroyablement vraiment, je trouve très beau, très chouette. Très curieux, très mystérieux, avec un lore qui se déflore. Mais juste ce qu'il faut, les yeux de l'horreur, je suis d'accord. Ils vont s'ouvrir quand on va arriver. Paupières. Que tu connais la recette de la paupière de veau. Tout va s'ouvrir. Tout va s'ouvrir. Tout va s'ouvrir. Okay.
Je fonds. Toi, tu mérites la sentence. T'as une bonne portée pour... une bonne portée, hein. Ça va bien. Ça va tomber à côté de moi. Pour que la menace opère. Non? Ok, bien. First try. Sauf le moment où je voulais absolument valider, mais... bon. Oh, je me sens... Oh, je me sens tellement mieux. La BO, elle met vraiment la merde. Je trouve qu'elle est hyper efficace. Elle est pas trop intrusif. Elle... tout fonctionne, en fait. Elle est à la fois rétro et en même temps futuriste. Oh. What? Double what? Oh, mais... Faut du café. Dans le fond, vous avez vu ou pas? Utilise ton turbo laser! Non! P12! Allez, fuite. Gros gros fan de l'ambiance du jeu. Zigzag, zigzag, zigzag. Côté plactel, ça va, putain, ça va. Vite, du bouche à bouche avec un robot. T'as mieux? C'est noir, j'étais sale. Comme si j'étais revenu dans le réseau. Tu m'as sauvé, merci l'ami. Je suis pas ton ami. Pardon. Miaou, 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 miaou. Complètement détruit maintenant. Quoi? Non! Le scénario m'a eu. Oh. Le scénario m'a eu la peau de notre arme ultime.
C'est ça. Comme ça qu'on n'est pas un robot, bien sûr. Avec pose papate. Ah. Pas le chat, pas une ligne de dialogue, c'est ça qui est fort. Ça rappelle Little Nightmares. Pas une ligne de dialogue. Ou Limbo. Ou Inside. Pas une ligne de dialogue. Venant des égouts, vous n'avez pas vu l'un des nôtres depuis des lustres. C'est toi qui nous a concocté un peu plus tôt un contacté. Petit extérioriste. Ce Balthazar l'extérioriste, attendez, il est en train de méditer au sommet de notre village. Ok. Oh. C'est beau. Pour une décharge. Cette machine, le scientifique dont j'étais l'assistant en utilisait une comme ça. Il était malade. C'était son dernier espoir. Il est entré dans la machine. Wow. Je ne l'ai pas accompagné. Il était seul. Que faisait-il? Il s'est envoyé dans l'ordinateur et tout a changé. Il y a eu un problème lors de l'envoi. Il est resté bloqué des centaines d'années. Jusqu'à ce qu'un petit chat apparaisse. Oh. Je suis le... C'était ça? C'était moi le scientifique? C'était... Quoi? Mais le twist! C'était lui la solution! J'étais humain. Il s'est téléchargé? Non... Je parlais d'habitude. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? C'est bon, hein? Désolé, je... Ne m'interrompez pas. Pas tout de suite, j'ai pas envie de parler pour l'instant. À l'hôpital Velpo. Respectez-moi. Non, même pas, ok. Hein. Vous. Oh, la musique est géniale, j'adore. Ah, ça me parle tellement sur la musique. Sans personne voudra me parler, hein. On est d'accord. Ça m'appelle les niveaux que je faisais dans Little Big Planet. J'avais fait un... Oh!
Enfin, on va voir qui va bien. Qu'a joué d'autre? Comment je peux le savoir, tu l'as oublié? Il y avoir des parents, des amis qui leur est-il arrivé pour les ouvrir la cité, mais restait-il seulement quelqu'un à sauver? On est en mission, Yapi. Je ne peux pas m'attarder sur des détails comme le repos. Je comprends bien que je suis quelqu'un de très investi dans cette mission qui peut sauver l'humanité. Un saut de peinture près. Et tu ignores qu'on n'interrompt pas quelqu'un en pleine séance de méditation transcendantale. Ah, c'est toi, tu étais avec Momo quand on a reçu cet appel. Heureux de faire enfin ta connaissance, vas-y, l'exoriste. Tu connais Momo et Doc? Alors. Je nous connais aussi, nous les exoristes. Il me manque, le souvenir m'apporte la poids. Oh, mais c'est presque du cannibalisme mémorial! Mais. Momo est resté dans les taudis. J'entends lui dire que tu les avais aidés à trouver Doc et Clémentine. Oh, Clémentine. Clémentine. Elle est au centre-ville maintenant. La voir extérieur, c'est elle qui pourrait t'y emmener. Apparemment, elle avait une sorte de plan. Tiens, prends ça. J'ai écrit son adresse sur cette photo. Ah. Pour allier le centre-ville, monte un petit village pour un être aussi agile que toi. Ça ne va pas être compliqué. Tu parviens à atteindre l'extérieur, tu seras le premier, je te souhaiterais bien bonne chance, mais tu n'as pas besoin, je crois en toi! Désolé de m'être éteint tout à l'heure. Je suis humain, sans doute le dernier au monde. Et regarde ce qui reste de moi! Tant de souvenirs remontent à la surface! Combien j'en avais oublié! Peut-être qu'en trouvant Clémentine, on pourra restaurer ma mémoire et te faire rentrer chez toi en même temps! Pour descendre, pour obtenir d'autres renseignements auprès des compagnons, en poursuivant en direction du centre-ville. Ah, c'est ouf, c'est ouf. Je trouve qu'ils ont réussi à faire une ambiance. En fait, il y a beaucoup de choses que j'aime. Il y a l'intelligence, la fraîcheur. Parce que, quoi qu'on en dise, ça reste quand même assez... différent de plein de jeux qui sont sortis. La musique aussi. L'ambiance est au top, absolument, je suis d'accord. Je me surnomme chef conserve. Ma spécialité, c'est le surcyclage des restes. Pas du jour, ramène J45 avec mon ingrédient secret. Et ben, giga stylé. Oh! En fait, cette nourriture est horrible, mais c'est tout ce qu'on trouve par ici. Je vais devoir me dévisser le boîtier frontal si je continue de manger cette saleté. Oh. Ok. Je vais monter. Alors, il monte, lui, ou j'ai l'impression que ça descend, hein? Ouais, j'ai l'impression que ça descend. Bien, c'est bien ça. Ok. Allez, 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 allez. Monte. Non? Ok, il faut monter de l'autre côté. D'ici. Voilà. Il faut trouver une ouverture.
Par là. Oh, peut-être par ici. Oh, ces petits chevaux. Mieux l'ambiance. L'ambiance, elle est vraiment chouette. J'ai vu. Bon, par ici, c'est une miette. Ok. Il y a quelque chose sur le côté A. Ici. Je préfère que ce soit pas rejouable et très apprécié plutôt que rejouable à l'infini et que tu prennes du plaisir moyennement. Comment ça va? Vu que Tante Clémentine nous a appris comment faire pousser les plantes spéciales qui peuvent vivre sans la lumière. Une énorme collection, tu veux la voir? Quelqu'un qui, que je connais pas qui pose de montrer son énorme collection. J'aurais tendance à me méfier. Hein. Manque une fleur jaune. Rouge et puis une fleur violette. Si seulement quelqu'un de petit et agile pouvait m'aider à trouver. Ok. Je m'ennuie. Après plein de trucs sympas. Très bien. Oui. C'est pas moi. Arrêtez de m'accuser de tout ça, hein. Oula. J'avais un niveau dans l'établi planète que j'avais fait. Qui consistait à escalader de la même manière toute une fusée. Et la fusée, je l'avais fabriquée dans une matière qui explosait. Et quand t'arrivais au sommet de la fusée, t'appuyais sur un bouton qui était connecté à toute la fusée et qui explosait. J'aime bien quand ça explose. Oh. Oui, c'est ça, c'est une tumeur. On arrive à la fin. Ah non. C'est-à-dire? Stray 2033. En fait, c'est pour eux que je le faisais. Mais ils sont partis maintenant, c'était il y a longtemps. Je voulais le voir à l'extérieur, mais est-ce que ça a encore une quelconque importance? Ouais, j'ose même pas imaginer la profondeur, et absolument. C'est dingo, hein, c'est dingo. Hein. Une approche du centre ville. Ok. C'est moi qui vais conduire le métro? Vraiment? Je vais être conducteur de métro, là? Mais non, je peux pas, j'ai pas de casquette. À la profondeur. Ah mais tout le décor il change. Bonjour. C'est ouf comment tout le décor il a changé. Il y a plein de livres ici.
Avec la vitesse de Turing, l'éthique d'intelligence artificielle, j'en reconnais certains. J'avais une bibliothèque. Je me souviens que rien n'égalait l'odeur d'un livre dont on tourne les pages. Ah ! Combien de fois je l'ai dit ? J'en ai sniffé des livres. Une sensation presque confortante. Lire, c'était comme passer du temps avec quelqu'un. Joker. Ya. Yeah. C'est le petit chat. C'est bon. Le chat sous adrénaline. Très bien, alors. Hop là. Hop là. Bonjour. Ok. Un père avec son fils qui discute. C'est la première fois que je vois ce genre de robot. Et moi, je cherche Clémentine. Incroyable, ça. Toujours dans tous les jeux. On va demander à quelqu'un d'autre. Je suis déjà assez occupé. Petit plot. Ce niveau inférieur strictement interdit pour cause de danger biologique. Police. Pacificateur. Ben, laisse-moi tranquille. Mais tout le peuple est comme ça, hein, des robots partout. Des robots partout. Attends, je peux tenir en équilibre là-dessus, hein, son mec. Oh, ça, c'est la vie de chat. Devant le ventilo. Devant le ventilo, comme ça, à rester. À attendre que la fin du monde se passe. C'est pas moi, c'est pas moi, c'est pas moi. Je peux pas monter sur cette. Cette piège à pigeon. Ok. Centre-ville. Oh là. J'ai NecoCorp. On travaille toute la journée pour collecter les déchets. C'est NecoCorp qui a fait. Les parasites. On a plus ces nouvelles-là. Le premier symbole est une rue, le deuxième est un étage. Ok. C'est Umbrella. C'est presque Umbrella, ouais, tout à fait. Ok. C'est pas le hasard à parler de quelqu'un qui s'appelle Clémentine. Elle pourrait nous aider. Trouvons-la cette photo et les symboles au dos pourraient sans doute nous aider. Alors. Ce qui est en bleu, c'est la rue, c'est ça? Ok, où est-ce qu'on voit les symboles de rue? Rue, étage, porte. Je peux aller en hauteur, là? Est-ce que je peux aller en hauteur? Oh. Wow. Oh, c'est tellement stylé.